Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Nous avons profité d'une journée plutôt printanière ce mardi avec de belles éclaircies, de la douceur côté température. Malheureusement, notre ciel est en train de se couvrir ce soir avec l'arrivée d'une zone de pluie. Et cette zone de pluie, eh bien, elle est associée à cette dépression qui est là au large des îles britanniques. Elle avance vers l'Écosse et c'est elle qui va influencer la météo chez nous pour cette nuit avec de faibles pluies. Rapidement, nous allons retrouver un temps sec et la journée de mercredi sera véritablement très belle, printanière, de très belles périodes ensoleillées et un mercure assez chaud jusqu'à 22 degrés. Malheureusement, cela ne va pas durer puisqu'à partir de jeudi, nous allons à nouveau subir beaucoup d'instabilité. Côté température, en Europe, ce mercredi, nous avons 20 degrés pour Paris, 26 dans le sud de la France, 10 à 15 pour l'Écosse et pour l'Angleterre. Et regardez la différence avec la journée de jeudi. Chute des températures, 14 à peine pour Paris, également 14 du côté de Bordeaux, 18 à Marseille et 9 à 12 degrés pour l'Écosse et pour l'Angleterre. La météo un peu plus en détail chez nous pour ce soir. Un ciel très chargé, des passages nuageux présents sur l'ensemble des régions et avec ces passages nuageux, l'arrivée d'une zone de pluie, de faible pluie dans le courant de la nuit. En deuxième partie, déjà très rapidement, on va retrouver un temps sec et puis mercredi, nous allons véritablement profiter d'une journée printanière. Vous le voyez, du soleil présent sur l'ensemble des régions. Un petit peu plus de passages nuageux ici au nord dans le courant de la matinée. Ils seront rapidement chassés par le soleil et nous allons profiter d'une très belle après-midi. Et ce soleil va faire grimper le mercure. Côté température, pour cette nuit, toujours de la douceur. Nous avons jusqu'à 9 degrés du côté du bord de mer, 9 degrés également dans le centre du pays, 8 en province de Liège et 7 sur l'Ardenne. Et demain, dans les grandes villes, cela nous donne 19 degrés au Luxembourg et à Arles. 18 à Saint-Hubert, 20 à Namur, 20 à Liège, je vous le disais, le mercure repart à la hausse et ça va faire du bien. 20 à Bruxelles, à Tournai et également sur la région côtière. Les prévisions pour les prochains jours, à partir de jeudi, eh bien, nous serons sous l'influence de courants d'ouest. Cela veut dire que les températures vont chuter, même si on aura plutôt une journée agréable jeudi, avec du soleil une bonne partie de la journée, des passages nuageux présents dans le courant de l'après-midi et ces passages nuageux seront porteurs de pluie. Pour la journée de vendredi, on aura des passages nuageux, de la pluie, un mercure qui continue sa baisse jusqu'à 16 degrés vendredi et puis samedi et dimanche on profitera d'un temps sec, un ciel bien lumineux mais malheureusement il fera froid, les nuits seront froides entre 0 et 1 degré pour les températures minimales, côté température maximale on est aux alentours des 15 degrés et puis à partir de lundi et de mardi on aura un petit peu plus d'instabilité mais heureusement, on retrouve de la douceur jusqu'à 17 degrés pour mardi. Ce sera malheureusement sous les nuages. Alors demain, le soleil va se lever pour 6h44. Nous allons gagner 3 petites minutes de clarté pour la journée de demain. Moi, je vous souhaite une agréable soirée sur RTL TV et j'ai le plaisir de vous retrouver un petit peu plus tard. Toute la météo d'ici et d'ailleurs, c'est sur rtlinfo.be.